Bon, on y va vite fait. J'ai fini. Je rentre. Je ne coupe pas. Et basta. Pour décrire le tableau vite fait, il dit que moi, il veut parler. Oh. Parce que dans le groupe, on a dit à Sophie que pourquoi elle laisse qu'on nous vilipende. Alors, voilà. Elle a dit qu'elle est une lionne silencieuse. Comme la lionne silencieuse est dans le silence, Angoula préfère parler d'abord. OK? Faut savoir que c'est Sophie qui valide le fait. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas de PayPal. Elle ne veut pas être dans les histoires. Allons décrire d'abord la situation. Que les gens comprennent. Sophie, ça faisait 4 ans qu'elle n'adressait pas la parole à Mathilde. Voilà, les mêmes gens. Que tu fais venir en bain, elle ne t'adresse pas la parole. Moi-même, j'ai l'une de mes soeurs ici comme ça. Elle ne me parle pas. Voilà. Dans le jour où je vais clamser, n'allez rien lui demander. Moi-même, j'ai ma soeur que j'ai fait venir ici. Elle ne m'adresse pas la parole. Elle est l'une de mes soeurs. Elle ne m'adresse pas la parole, oh. Jusqu'à dire qu'elle va venir verser le sel béni devant ma porte, de ces trucs sortis de je ne sais pas quoi, m'accuser de certaines choses. Quand on a pris son enfant, son seul unique fils, maître à la DAS, j'étais là-bas. C'est vous dire que voilà, quand je viens souvent parler ici, c'est d'expérience. Hein? C'est d'expérience. Quand il vous dit que faites attention, oh. Vous savez, quand il y avait eu le truc de la sœur de Ashley Lambert, là, ça s'appelait comment? Mamie l'esthéticienne de c'est quoi là-bas à Londres ou quelque part là-bas en Angleterre. Vous vous souvenez comment j'avais pris le parti de sa grande sœur? Parce que je me sentais concernée. Il y a des gens, tu les sors de la pauvreté dès qu'ils arrivent ici, leur premier ennemi c'est toi. Et vous dites donc que Sophie n'adressait pas la... Sophie ne connaît même pas l'adresse de Mathilde. Vous vous rendez compte, on est réduit au stade où c'est demain lundi qu'on a envoyé les investigateurs là-bas là voir l'adresse. Vous vous rendez compte? C'est pour vous dire à quel point cette situation est délicate. Je répète, que chacun aille appeler l'enfant. Libre à chacun de prendre sa décision. Mais n'écoutez pas les balivernes qui se racontent sur les réseaux. Et je vais même encore bien préciser. Les dernières photos que Mathilde a publiées, il s'appelle La Bombe. Il est dans notre groupe là que je vous dis là. Martha, tu as appelé La Bombe. Mathilde, tu as appelé Mathilde. Mathilde ne voulait pas venir te voir. Puisque Mathilde avait même pris un appartement meublé à Oudja. Elle refusait de venir te voir. La Bombe là, est-ce qu'il est mort? Il est là, il est dans notre groupe, non? Comment on sait que tu lui dois de l'argent? Elle ne voulait pas venir chez toi. Parce qu'elle savait que tu vas la filmer. La Bombe est au pays. Comment il est au courant de ça? Donc tout le monde manque sauf toi. Et d'ailleurs, certainement hier tu as bu ton vinosol. Ta vraie nature a commencé à sortir. Tu as commencé à dire qu'il y a des corps qu'on ne pleure pas, qu'il faut fouetter. On peut parler en ces termes de sa copine? Moi, je ne peux pas parler en ces termes de quelqu'un que j'aime bien ou que j'ai ou que j'affectionne. Ou même que je ne déteste pas, au pire. Voilà donc la situation. Et voilà, j'allais oublier. L'avant-veille, c'est-à-dire la veille de son décès, il y a eu altercation là-bas jusqu'à bagarre sortie dedans. La Bombe, et il est là, sur Facebook avec nous. Moi, il ne manque pas sur les gens qui sont vivants. D'accord? Alors, à tout moment, lui-même, si quelqu'un vient, on me demande le numéro, je donne. Vous-même, vous aurez la vraie version. Puisque La Bombe est partie là-bas pendant 2 semaines à Ebolova. L'avant-veille du décès, il y a eu un vaste clash. Jusqu'à la famille a dit à Mathilde de te porter sa maison, partir avec et laisser le terrain. Jusqu'au numéro du bailleur, moi au Roangoula, quand je dis bailleur, bref, bailleur. Le vendeur du terrain, les parents de Mathilde avaient fait une avance de 200 000 et c'est elle qui avait fini de payer. J'ai aussi le WhatsApp du propriétaire. Là. Avant, vous ne me verrez jamais aller m'impliquer dans un truc sans vérifier ni les tenants ni les aboutissants, puisque mon nom est d'abord, il y a un sucré dans la bouche des gens. Je ne sais pas comment mon père s'est levé, il est parti prendre un prénom rare. Verser sur moi. Donc, c'est même pas si je peux m'appeler Christelle ou je ne sais quoi, ou Solange, je peux même prétendre qu'il y a une autre Solange. Donc, dès qu'on entend Aurore, depuis là, j'attends toujours s'il y a une autre Aurore sur Facebook qui va aussi sortir. Comme ça, de temps en temps, je mens aussi que ce n'est pas moi. J'ai le numéro jusqu'au vendeur du terrain. J'ai. Voilà. Même le numéro du vendeur du terrain, j'ai. Comment on peut arriver au stade où le corps n'est même pas encore enterré, on discute d'aller les biens? Il y a des familles ici. Hein.
J'ai le numéro de la bombe, je répète, j'ai le numéro de Mathilde que vous aviez. Celui qui n'a pas le numéro vient me demander. C'est le fils qui répond. J'ai même le numéro du vendeur du terrain là. Et si c'est normal qu'on soit en train de parler de succession alors que le corps est encore dans le congélateur, qu'on vienne me dire. Si nous ne sommes pas des sacrifiés pour nos familles.